Cette fois, c'est décidé. Le parti indépendantiste catalan, ERC, s'abstiendra lors du vote d'investiture du chef du gouvernement espagnol. Ainsi en a décidé le comité exécutif du mouvement lors d'un vote interne. En échange, ERC a obtenu la tenue de négociations entre le gouvernement central et l'exécutif régional. La proposition, c'est que 15 jours après la formation du gouvernement de l'Espagne, un processus de négociation sera lancé. Et donc les accords auxquels aboutiront ces négociations devront être validés par les citoyens de Catalogne lors d'une consultation légale et reconnue qui doit permettre aux gens de prendre position. Que seront ces accords? Cela dépendra de notre capacité de négociation. L'abstention des 13 députés indépendantistes catalans facilite la tâche du socialiste Pedro Sanchez pour remporter mardi prochain un deuxième vote de confiance au Parlement. Lors de ce vote, seule la majorité simple suffit. Le vote de ERC pourrait donc ouvrir la voie à un gouvernement de coalition entre les socialistes et Podemos de Pablo Iglesias, le premier du genre depuis la fin de la dictature franquiste en 1975.